Je vous rappelle la news pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Nous avons fait top 50 sur TFT la semaine dernière, ce qui nous valide quelques points. Alors regardez, je vous explique comment ça se passe. Chaque semaine, nous marquons des points, d'accord ? Top 10 marque 60 points, top 25 marque 50 points, top 50 marque 40 points, top 100 marque 25 points. Donc 60, 50, 40, 25. Certains sont déjà qualifiés, donc c'est les gens qui sont là. Puisque Give Me More estime... Je dis bien estime que 180 points devraient suffire. C'est-à-dire que si, par exemple, Magarki décide de hint ses 90 games d'après et ne marque aucun point, il devrait quand même être qualifié. Maintenant, il met qualif avec un top 100. C'est-à-dire, top 100, c'est 25 points. Donc, par exemple, il met qualif avec un top 100 toutes les personnes qui sont là. À partir de 160 points. Et donc, Give Me More dit la qualif se jouera à 180 à 95%. Donc, maintenant... Je vous montre un peu où est le top 40, c'est Talk à l'heure actuelle, il a 140 points. Sachant que si Talk fait top 50, ce qui est déjà pas mal, il a 180 points, moi je fais un top 100, juste un top 100, je fais 190. Est-ce que à votre avis un top 100 suffit? Parce que si c'est le cas, je fais 10 games maintenant, hold chill, et par contre la semaine d'après, là on fait un giga training de la mort. Donc là, je suis ok que vous me donniez des conseils, ce qu'on joue et tout. Ah, mais on joue contre Torque. Parce que là, en fait, c'est bien. Parce que moi, j'ai pas la pression des Worlds sur ce compte-là. Donc, si je fais top 8, c'est pas grave. Au pire, je donne des points aux copains. On démarre quoi, avec ceinture pour la Warmog. On lose streak, Warmog, on met ça sur Jarvan, on est top 4. Ça marche comme ça? Salut Harley! Il y a Madame Harley qui nous regarde, qui nous soutient. Coucou Harley! Elle est contente parce qu'elle est TFT maintenant. Elle est marre de Runeterra. Oula! Vayne Vi! Attends, mais. Attends, allô? Ah mais ça a pas changé la méta du coup, on joue toujours cyber? Oh ça je reconnais. Oh ça je reconnais. Merci beaucoup Rocketins. Ok les gars, bon, on joue cyber. Non mais est-ce que c'est pas une erreur? Parce que j'ai pas de... Non mais... c'est une OP... Non c'est pas une OP. Non 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 non, non. Mais attendez. Mais j'ai pas d'item pour Vayne, c'est mort. Non, je vais jouer avec une ceinture. Non non non, attends, c'est pas ça, c'est pas ça. On peut pas, non. C'est du hint. C'est mille fois du hint. C'est du hint. C'est la rédemption, j'ai la rédemption, c'est vrai. Mais est-ce que du coup... Ouais, putain. J'aimerais acheter le Mordekaiser, c'est trop fort Mordekaiser. Est-ce que je peux vendre Vi? Je peux vendre Vi? Parce qu'elle sert à rien maintenant. Je pense que je peux pas jouer cyber avec ça. Moi je devrais vendre, bah. Non, mais j'ai pas eu d'item, les gars. Moi je pense que c'est pas une game cyber. C'est con parce que j'ai meilleur item possible pour cyber, mais. Non, mais en vrai, on joue cyber ou pas? Parce que là, je push et je rentre sur. Ouais, on va forcer. Là. Vous allez voir, un cyber sans stuff. Hein. Vous allez voir, c'est fort. Hein. Très très fort. Hein. Tout, mais pas cyber. Non, mais on est d'accord, Voltain. Moi, j'ai pas le start. Je pense que je dois pas jouer cyber. Hein. On est d'accord. Hein. Je vais le regretter. Hein. Mais je le sais très bien. Mais. C'est ça, en fait, c'est là où c'est marrant, c'est que là, le chat pense à peu près avoir raison. Tu vois? Et là, moi, je suis l'inverse du chat. Rentre Vi, pourquoi t'as vendu Vi? Mais what the fuck, ta rédemption Fiora? Et le seul joueur qui est un peu pro dans le chat, il a dit non.
Comme moi. J'aime trop, putain. Non, bah, je pense que j'ai. Là, par exemple, en fait, il faut regarder les items, c'est un équilibre. Donc là, je pense que là, Nautilus et tout machin, c'est pas mal. Là, je pense qu'il faut sortir sorcier maintenant. On peut avoir plus Cassio, là, mon ami. Go vocal, mais je suis chaud, mais. Là, je pourrais faire un 4 Vanguard avec. Passons à faire ça. Je pense qu'on va faire ça, on jouera pas si bien. J'aimerais bien prendre la Fiora, c'est une. Bien sûr qu'on peut vocal. Mais je sais très bien que j'ai pas un game cyber. Hein. T'as dit quand même partir dessus. Hein. Hello. Mais non, mais c'était pour le chat. C'était pour perdre et dire au chat, vous voyez, c'est de la merde. Attends, est-ce que tu vois mon écran là? Merde. Ouais. Ok, nice. Non, parce que. Je vais tout baisser. Est-ce que vous entendez bien Volta, les gens? Est-ce que tu peux parler juste un peu? Voir si je te règle un peu le son. 1, 2, 1, 2. C'est bien, je pense que là ils t'entendent bien. Ouais, c'est pas mal, ok. Parfois le son est réglé différemment. J'ai baissé un peu la musique, cool. En gros, en fait, c'est que là, oui, j'ai une super sortie de cyber. Si j'avais un gant, BF, arc et tout, on aurait gagné la game. Mais là, je peux pas. Donc. D'ailleurs, je sais même pas si c'est bien de jouer ça. Est-ce que je rentrerai pas des Vanguard? Un peu plus fort, ok. Moi, je vais te Vanguard de sniper. Ouais, ouais, je pense aussi. Je règle le son, mais je suis d'accord avec ça. Ok, là, normalement, j'ai monté un peu. On va bien t'entendre, là. Attends, je vais mettre sur le. Vocal avec Voltarex. Comme ça, au moins, les gens comprennent. Ils me disent pas. Mais c'est qui en vocal? Est-ce que je peux faire un pré-push? Là, j'ai pas eu le temps de. Ok, alors, parce que moi en fait je peux avoir aussi avec ça Cassio. Si j'ai Blue Buff, je suis libre sur tout. Et sinon, quand je fais Warmog. Tu fais Cassio déjà, tu envisages toujours Teemo. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien ça. Ah, je suis fou à garder en fait. Donc là, la question c'est ça en fait. Bah, tu prends toujours une baguette. Hein, c'est... Ouais, ouais, mais je suis en train de voir si je peux pas overflow avec un Nautilus pour Vanguard. L'opti, l'opti, l'opti. Parce que j'avais essayé une fois Ange Gardien Zap Nautilus, c'est super fort. Hein. À l'époque, quand tu pouvais transient. Hein. Ah bah tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai oublié de la vendre maintenant. Fort, hein, c'est pas grave. Je suis en train de regarder, mais. Après là, j'en ai. Là, tu passes juste en devant quoi. Ouais, non, là, ça dégage. Deux sorciers. Parce ouais, que tu du... retires du coup les deux cyber. Attends. Comme ça, t'as le Morido direct en fait. Il faut Fayou du Morido. Sur Harry, tu penses? De toute façon, là tu es VAP, non? Ouais. Okay. Ouais. Je suis d'accord. Alors attends, Poppy, j'ai peur. Fiora, j'ai plus. Au lieu de Nautilus. Ah ouais, tu penses? Même avec Capel, enfin, après, là, si tu veux revendre et te faire de l'écho, c'est pas plus mal aussi. Je pense en termes de team c'était mieux H. Champion est trop fort. Mec là j'ai Vanguard, sorcier non? Peut-être j'ai mis un sorcier de trop mais. Oh, oh, Vanguard c'est trop. De ouais, 3. Fais-toi déco tant pis. Hein, avec mort 2 ou H? H en vrai. Non je pense que là on est plus vers Teemo ou. Ah, j'aurais dû prendre Caitlyn. Ouais putain Nautilus il veut jouer. Hein. Oui. On a un Fizz aussi. Est-ce que ça peut être. Ouais mais. En fait mon prochain level j'aimerais bien que ce soit à 4 Vanguard. On a quoi? On a un Last Whisper. Au pire, tu mets 4 Vanguard maintenant en fait. Mais après, j'ai pas de tir. Over sorcier? Tu le vois plus? Ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Donc, je veux bien, mais j'aurais juste le lobby un peu. Lui, j'ai joué contre lui ou pas? Non, parfait. Je suis d'accord avec ça. Bon, surtout contre lui d'ailleurs. C'est quoi la scout? J'ai envie de mettre la tire sur Harry, mais. Je pense que je gagne 100 là dans tous les cas. De toute façon, ça va sur personne d'autre. Ah, s'il y a une Syndra qui arrive, je veux bien, je regarde. Ah, quoique, il y en a une autre. Non, 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 ça suffit. Bon, je gagne. Bon, je gagne ça. Ouais. Fizz, il rentre pas. Bah, sur Binary Star, Teemo est vraiment très fort. Hein. Mais en fait, t'as pas besoin de mana pour jouer Teemo.
Ouais, bah oui, mais j'avais dit, ça te rappelle? Ouais, c'est... Je t'ai dit, t'as pas besoin, moi je joue Morello, Rabadon, et c'est large suffisant en fait. Ouais, c'est ça, j'avais Morello, Spike Crit, j'ai massacré Dobby en fait. J'étais à 100 HP au stack 5. En gros, c'est pour moi, genre Cassio, Teemo, si tu as Blue Buff, tu peux jouer Cassio, mais si tu n'as pas, ça ferme Teemo en fait. Vu qu'il n'y a plus Riven maintenant. Je suis d'accord avec ça. C'est Zerator vocal, non. C'est Dash. Mon fils, il jouera jamais, je crois, dans tous les cas. Et là, je vais prendre Kaito Kyo. C'est dommage qu'on puisse pas jouer sorcier avec Riven et tout, hein, quand même. Riven a besoin d'un rework, hein, c'est... Non, ouais, c'est terrible, hein. C'est trop dommage, parce que là, ça enlève une option complète. Je sais pas si t'as vu ma Riven 3. Non. Bah, j'avais une Riven 3 double gant. Il y a un fight, elle a fait moins de dégâts que moi, Azrael statique. Tristesse, putain. Je fais Ange Gardien Zap pour le Jace. Et ça. Ou pour Jean. Et je pense que. Alors après, il y a peut-être Nautilus qui pourrait porter, mais Nautilus, je risque de le garder. Alors que Leona, c'est sûr que je la garde pas. Comme Harry aussi, tu me diras. Je pense que tu mets tout sur Leona, et on s'en fout. Juste Harry, je sais pas, parce que je sais que si elle passe 2, je sais pas si je la prends. En fait, Leona est le safe play, mais là, j'ai un semi-safe avec Harry aussi. Donc ça, ça dégage, ça dégage. Est-ce que Poppy, si elle passe 2, je la garde? J'aimerais bien faire de l'écho, là, mais je peux pas. Toujours envisager Sea Vanguard, en fait. Ouais, c'est vrai. Je pense que tu dégages Zoé et Katyn. Ah ouais, tu penses Zoé? Donc là, je ferme sorcier à tout. Ah oui, quoique, je vais pas jouer Sidra. Cassio. Parfait. Mais j'ai pas de blue buff, hein. En fou. Parce que là, en fait, c'est... tu penses pas. Bon, je comprends pour l'écho, mais. Là, j'ai perdu. J'ai perdu Zoé, là. Zoé, c'était un bon. Mais attends. Là, je peux rien rentrer, en fait. Si, j'ai pas Battle Cash. Je peux rien rentrer. Tu peux rentrer un Jarvan. Un Jarvan. Oula, bah attends, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est bon, attends, c'est une spike. Je mets la tire sur Cassio, en tous les cas. Là, je pense. Ouais, je pense. On arrive à un stade où dans tous les cas on la joue pas avec autre chose. Donc... M'en fous. Bon, du coup on est à 20 gold, on a 95 HP. En fait, bon, dans tous les cas, c'est soit tu joues Jarvan, soit t'as une bonne sortie Vanguard, et il faut envisager le 4 ou 6 Vanguard quoi. Et après, je trouve ça fort Vanguard, c'est juste les brawlers, je trouve ça infâme. Genre vraiment les brawlers, en fait tu snowball comme un fou en early avec Malphi, Tilaoi, Zed et tout, mais ça ne transitionne en rien de bien quoi. À part si t'as RFC Jinx en late, mais... Il y a un Bard, là. C'est pas mieux que Jarvan? Je joue tous les jours. Ouais, ouais, je suis d'accord. Okay. Oh, Bardo! Et surtout, la compo, c'est Fast 29. Hein. C'est Fast... Bah, dans tous les cas, tu c'est... Tu as juste roll, je pense, pour Cassio 2, Bard 2, puis Fast 29. Juste le roll au 7, je pense, non? Ou jeu hard roll? Je pense que c'est mieux de hard roll, en fait. Ah ouais? Là, j'ai très peu de gold. Là. À part de 2. Ouais, tu turbo avances dans la game turbo, quoi. Ouais. Le level 7 là, normalement c'est soit 6 Vanguard Cassio, mais. Soit c'est Astro qui rentre, non? C'est un bait Astro en vrai. Mais, ouais, c'est seulement si j'ai. Nautilus 2, barre 2 avec Astro, c'est pas dégueu. J'aime bien en tout cas. Oh là là, on a du mal quand même. C'est lent! Je m'angoisais à cause du Rakan en fait. Ouais, ok. BOUM! T'as Nautilus, j'adore. Hein. C'est tellement fort Nautilus. Heureusement qu'il l'énerve d'ailleurs. Ça turbo strong. La Poppy était bloquée à cause de Nautilus, faut que je décale d'un cran. Ok, donc on veut tir à tout prix. C'est parce que là j'ai un stuff Jace tir. Sinon je prends un gant, je pense, pour les gants, Shroud et tout. T'es ok avec ça? Ouais. Attends, je te coroco. Ouais, ok. Sinon, il y a beaucoup de dégâts physiques. Oh, la tire me mettrait tellement bien. Non, elle a 4 gold. Torque! Torque! Pilise! Ah, Torque, t'es le meilleur. Vive, Torque! Oh là. Torque, putain, tire à 4 gold. Quel plaisir. C'est à barre 2, Astro, sert quasi à rien. Ta barre 2, Astro, ça sert quasi rien. Bah non, avec Astro, genre toutes les deux attaques, il caste, je crois, non? Oh, ça, je reconnais!
c'est trop, mais genre c'est vraiment petite transition quoi. Ouais. En fait, avec Astro, c'est toutes les deux attaques qui castent, alors que sans Astro, c'est toutes les trois attaques. Mais en fait, on va dire c'est juste une transition de niveau 7. Voilà, c'est ça. Niveau 7, t'as deux choix, soit c'est Astro, soit c'est Sea Vanguard Cassio. Ouais. Ah, moi j'adore Soraka. Hein. Juste une Soraka dans cette compo change tout de la compo. Genre Overbard. Hein. Toi, t'envisages jamais Sea Vanguard ? Si, mais genre Sea Vanguard, Soraka, Cassio en gros. Donc mon level 7. Forcément. Ouais. Là, je rebuild une Leona parce que j'envisage le Sea Vanguard au milieu du lobby. Il y a très peu de dégâts magiques à part des haches. Bon, c'est déjà pas mal. Je peux peut-être dîner une hache pour un tour. Merci Dark Sword pour le resub. Merci beaucoup. Ça fait quoi Astro ? Astro, ça réduit de 30 mana les spells de tous les Astros. Donc Nautilus. Nautilus, Bard et Teemo. Donc tu vois, Nautilus cast à 50 sur 90. C'est vraiment très fort. Est-ce qu'il y a beaucoup de Nautilus ? Moi, Nautilus 3, j'aime bien. Mais... Je sais pas qu'on teste normalement. Ouais. On peut le garder et sur un malentendu, on roll. Ouais, de toute façon, quoi, tu vas roll niveau 7, je pense. Bah, je sais pas si je roll niveau 7. Tu roll down, parce que je sais que c'est la spike de la compo, mais. Donne, non. Je suis quand même bien là, bon, j'ai... Sinon tu peux fast tweet, ouais. Bah ouais, parce que moi je veux les Jace Wukong là maintenant, et la Soraka 2 en fait. C'est plus important que tout ça. Ouais, c'est ok. Bon, j'avoue que tu peux passer 8. Ouais, là c'est un 8, là c'est un 8. C'est un 8, on la joue slow, on prend Jace Wukong Soraka 2, et là après on va 9. Je pense que... Mais c'est vrai que par contre, si... Parce que là je suis one-off de mort 2, mais je suis one-off de rien d'autre quoi. Genre je dois rebuild une Leona. On a un Teemo au cas où, en petite transition. Ça peut être mon set. Ouais, c'est le max level, oui. Fais de la place sur ton bench. Ouais. En fait, j'aime bien garder une hache parce que je pense qu'ils vont tous roll down pour hache, tu vois. Et... Non, c'est toujours 3 slots qu'il faut essayer sur le PVE. Yep. Bah tu peux avoir les 2 box avec 4 ou les 3 box avec 2. De cost. C'est ça. Enfin, il y a aussi. T'es pas storé à 3 cost. Ouais. Oui, c'est ça. Ah merde. Alors attends, bah, là j'ai Cassio, on va peut-être roll là. Ouais, c'est ça. Ouais, là on roll, alors, attends. Deux secondes. Je pense pas que je joue Teemo 2 aussi. Je crois pas. Hein. Non, tu prends quand même. C'est mieux Astro Sniper que. S'il passe te direct, tu le joues. Okay. Bon, on a le plus dur. On le met. Je passe niveau, je pense. Après, j'ai Bard 1, ça qui m'emmerde. On s'en fout. Et j'ai Giant Slayer, BF, Arc. Qu'est-ce que ça peut être dans la compo, vu que normalement c'est le RFC, mais je peux pas. Pour l'instant, tu peux rien en faire. Est-ce qu'on va vraiment jouer 4 mystiques, c'est la question. Pour l'instant, je vois pas d'intérêt, je vois. Surtout les dégâts physiques. Pour moi, c'est 4 Vanguard. 4 Vanguard ? Tu peux vendre au deuxième Teemo, je pense. 4 Vanguard, t'as dit ? Non, 6 Vanguard. Vanguard. Ouais, ok. Non, Jace. Est-ce que Jace 1 est mieux que Leona, stade là ? Avec 4 Vanguard ? Franchement, Leona est tank de ouf. Ouais. Je pense pas. Ça commence à fatiguer maintenant en fait, c'est maintenant que je sais ce qui est fatigué. Par contre, c'est mieux que Mordé. Mordé il tank, Jace fait des dégâts. Est-ce que t'as besoin de plus de tankiness, franchement? Ah, peut-être pas, mais bon, on est déjà bien. Donc, du coup, le prochain level, là il faut juste trouver un Wukong. Bard c'est Soraka. Nautilus, ça commence à être un petit peu trop loin pour aller le chercher et mon bench commence à être rempli. Mais tu vois, genre les haches font quand même beaucoup de dégâts magiques. Hein. Genre là, lui, il a que des dégâts magiques, hein. Il s'en fout de Vanguard, non? Après, le Vanguard, juste il a il peut pas tuer le body en fait. C'est comme chez Vanguard. Ouais, ouais, voilà. C'est un mur quoi pour lui. Yo, merci Veria, merci beaucoup. Faire que tu bien. Normalement, il y a aussi Jin qui rentre. Crois-moi que si Jin peut pas mettre des dégâts, sa compo est morte. Hein. Ah bah ouais, tiens. Ok, watch. Est-ce qu'on y a... Je vois qu'il y a un Teemo aussi. Ouais, je vois une Cassio surtout.
Timo, on prend plus, je pense, non, non? Attends, il y a un bug là. Hein? Wukong. Ah, il est pas sur le merde, putain, je crois que je l'ai mis. J'ai envie de roll pour maintenir la streak et avoir un... J'ai des peurs là, non? Là, je pense que c'est ok de le faire. Ouais, tu vois. Ok, c'est bon. Maintenant, je pense que c'est assez, Fast 9. Je réfléchis juste, mon Nautilus, je pense que 3, on commence à être loin. Non, oui, non. Léona, il faudrait que je la rebuild. La rebuild. Et j'aimerais bien avoir un meilleur mystique. Je pense que là, Bard est plus nécessaire pour moi, surtout quand il est 1. Alors en fait, dès que t'as Soraka, tu le vires. S'il passe 2, tu le gardes. C'est comme ça. Ouais, parce que bon, pour un XP, je préfère avoir une Soraka qui heal tout le monde. Ce Bard, bon, c'est surtout un Astro Sniper, mais c'est turbo broken quand même. Ouais, Bard, c'est trop fort. Hein. Genre, dans un bon setup, c'est trop fort. J'adore ça. Merci Tachid, merci Rito Games pour les resubs, les gens. Welcome back à vous. Merci pour votre soutien. Ça fait plaisir. Merci de votre soutien, les gens. Merci Botturkin également et Osiris. Alors, attends, on a un arc et une BF. Arc BF. Titan, Runan. Un autre GA. Ah ouais, parfait. Parce que Zizirot, je vois pas pourquoi t'aurais besoin de plus de front. Alors que j'ai Soraka, ça carry. Ah, t'es trop bien. Ce que je pensais faire d'ailleurs là, c'est de ne pas toucher cette Cassio. Elle passe. Ah non, elle va garder l'armure. Ah ouais, mais du coup, j'aurais pas de GA quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, je vais avoir une armure Cassio. Ouais, pour avoir le GA maintenant, je pense. Ouais. Alors, du coup, ça c'est la GA de Jace. Jabard. Tu penses? Bah, je te crois, en mais. En fait, Jace, c'est que un Bard, c'est quand même des gold que tu gagnes. Il faut pas oublier ça. Et au niveau positionnement, vu que j'ai pas RFC, tu ferais ça ou pas? Oui? Oui, je suis vraiment fan du corner. Ok. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je suis en position à l'ancienne, mais. Peut-être l'arc du coup sur Bard, tant qu'à faire. Parce que là, il est clair qu'il faut Jace 2 pour qu'il ait Ange Gardien, qu'il puisse mettre un petit slam devant, parce que là, mes dégâts vont commencer à être faibles. Bon, il y a Cassio, mais il y a que Cassio, quoi. Je pense que je vais avoir du mal. Ouais, voilà, ça se voit direct. Il faut un Jace. C'est Janna en fait. Ah oui, je suis con, putain. Ah, c'est pour ça, ok, my bad. C'est vrai ça. Bah, dans tous les cas, on prépare l'option avec Mystique. Ok, on a Léona. Est-ce qu'on la change déjà maintenant pour l'écho? Non, t'as dit? Ouais, tu dégages à Léona. En fait, genre, je vais perdre un gold si je fais rien, mais je suis plus fort sur le terrain. Bon, je pense mais pas de, pas de temps, pas de temps. Coups. Ouais, pas de temps. C'est vrai que t'as perdu la streak, en fait. Perdu la streak quand j'ai changé de positionnement. Hein. Rien à voir avec Janna. Je pense, hein, c'est de ma faute. Non, bah, je suis d'accord avec le changement. Mais sympa, Volta. Merci, Ali Wali Woula. Merci beaucoup pour le soutien. Welcome back. Non mais là, on n'a pas Wukong 2, on n'a pas Jace 2, on n'a pas un super mystique, mais on va arriver au level 9. Ouais. Donc, de toute façon, on peut pas jouer les 3 stars, genre Rester Stack Neo 8. C'est de la merde de faire ça. Le capitaine. Ah, parfait, bah c'est mon level 9 ça. Parfait. En vrai, si Cassio te coûte 2 écho, je pense que tu as revends. En vrai, mais il y a un monde où tu joues Karma ou pas? Bah, j'ai peur que les gens. En fait, c'est qui est en finale face à moi? Il y a lui, il a Janna. Ouais, c'est vrai. Tu vois, genre, en fait, je peux pas. C'est un champion contest. Non, j'avoue, il faut garder option. Pour moi, c'est Poppy, Léona out et 4 Mystique, 4. Mais par contre, il faudrait que je trouve un autre Barn parce que j'ai perdu sur Barn du coup. Donc, ça, c'est pair. Ça, c'est level 9. Thresh, c'est mon prochain level. Je vais attendre un petit peu. En fait, ça sert à rien de push hardcore maintenant parce que j'ai un. Oh, parfait les golds. Oh, ça me met tellement bien. Soraka est là. On a une ceinture. Ça fait Zizrot en vrai, c'est énorme. Putain, c'est tellement stylé. What the fuck. C'est genre un perfect item. T'as perfect gear partout. Perfect hein. Item. Et j'aurais pu avoir RFC au carreau d'avant, mais je l'ai pas pris. Alors là, je pourrais push pour la spike, Thresh, chrono, mais du coup, je perds la rentabilité de Bard. Je pourrais faire ça. Je pense que c'est ok.
tu me dis après ce que t'en penses, mais là je pense que c'est ok. Moi je trouve ça ok. Ouais, ok. Mais je sais pas ce que t'en penses, je pense que je préfère... GMR2 ? Ah, j'hésite entre GA Thresh et Soraka, vraiment. Thresh j'aime bien, en vrai Thresh j'aime bien, parce que c'est lui qui va me carry late. Et par contre Zizrod, je veux quelqu'un qui meurt vite, je sais pas qui. Naughty, mort 2. C'est Poppy je pense hein. Ou Wukong sinon, bon, mais Poppy n'a pas besoin. Wukong, j'aime pas parce qu'en fait, ça fait passer au-dessus du seuil du géant de Seigneur. Je sais pas si on a... Ah, pas bête. Énorme. Sinon, ça... Non. Là, vu le positionnement, je pense que c'est mort des Kaiser. En fait, j'aimerais bien quelqu'un qui rentabilise l'arc, mais qui meurt quand même. Mais vu que lui, il va peut-être avoir Dark Star, tu vois, mort 2, j'aimerais bien qu'il ait un item de plus. Je pense que c'est mort 2, du coup. Ouais, j'en suis mort 2. Par contre, j'avoue que le call du Giant Slayer, j'avais pas vu, parce que Wukong a une grosse base de PV. Et je veux... Bah après, j'aimerais bien avoir le Bard pour les joueurs... Lui, il a Janna, donc... Attends, mais il gagne en mecha, lui, comment il fait? Pourquoi tu veux Bard? Pour 4 mystiques. Il y a 5 mystiques au total. Hein. Un autre truc... Ah oui, Lulu. Du coup, je vais vendre Cassio. Non, mais Soraka dans cette compo, c'est pas possible. En fait, c'est Soraka qui change tout. Parce que, genre, tous tes Vanguard prennent un peu de dégâts, un peu de dégâts, un peu de dégâts, un peu de dégâts. Et d'un coup, il y a un heal de 450 qui arrive. De 550, pardon, au level 2. Ok, cool. C'est quoi ton champion préféré maintenant sur le banc avec Thresh? Moi, c'est moins Urgot. Ça, j'aime plus du tout. Ouais, moi non plus, tu vois. Franchement, tu veux que je te dise? C'est Shen. Mais oui, mais ça c'est... Je vois très bien. Alors, en fait, pour moi, il y a Shen, il y a éventuellement... Bah, Blitz, bien sûr. Je pensais à Ez aussi pour le Shroud Instant. Ouais, Ez est bien. Et Janna. Parce que Janna, avec sa réduction de mana, maintenant, elle peut cast assez vite. Si tu mets Thresh bien derrière... Ouais, vraiment, Urgot 1, c'est puant. Urgot 2, ça va encore, mais 1, c'est puant. Ah tiens, lui, c'est le Janna. On va voir ce que ça donne. Donc lui, j'ai besoin de 4 mystiques contre lui, je crois. Pourquoi il tape aussi fort son mecha? Ok, lui j'ai besoin de 4 mystiques, c'est sûr. Titan c'est dur hein, pour ta compo. Avec, surtout avec Janna en fait. Il y a Yonic en plus. Il y a Ouf. Mais comment il passe? En fait les autres sont weak ou c'est quoi? Pourquoi il détruit les autres avec ça? Parce que moi ok je comprends qu'ils me détruisent mais... Il a quoi là? Je crois qu'ils sont quand même un peu weak, oui. Non mais il a quoi lui en vrai? Il a rien de spécial là. Il a tout, il a mec, bon, il a tout le mec qui est level up, il a un Shaco random, mais il a même pas Dark Star son Shaco. Et le Ludo, elle a même pas casse dans le fight, pratiquement. Ah, attends, les items. Alors, je pourrais faire une Claw. Ouais, Glangant pour ma compo, c'est bien. En fait, Claw contre le mec, là, ça peut être cool, c'est ça que je me dis. Moi, je prendrais Tiflios. Je vois pas sur qui tu pourrais mettre ta Claw, en fait. En fait, j'ai pas assez de dégâts. Oh là, oh merde. Boomer. Ah, super. No joke, par contre, ne vend pas. Parce que je crois qu'on peut le jouer, non? Quand Zayt, tu prépares ton 4 mystique, deux infiltres. Ouais, je suis d'accord. Parce que... Est-ce que je prends Karma dans ce cas-là? C'est la seule question. Pour l'instant, clairement pas, parce que j'ai passé le seul mec qui a Janna. Je pense que si, tu prends Karma. Hein. Urgot, tu peux te dégager au pire. Après, je peux arriver à Thresh, sinon. Ouais, c'est pas mieux? Tu peux le faire, oui. Ouais, attends. Il vient d'arriver. Ouais, bon, j'avoue que... C'est quand même une god tier. Hein. Ouais, non, mais je savais, je voulais prendre des RFC pour Thresh. Je dois juste préparer deux infiltres. Donc Fizz et Echo. Là, Janna, j'ai du mal. Dès qu'il y a Janna, c'est mort. Donc je pense que... J'aimerais bien que... C'est qui, c'est... Mais Torque, en fait, il a 4 snipers. Donc là, je me fais allumer parce que j'ai 6 Vanguard. Ouais, il faut que t'as 6 Vanguard. C'est plus possible. Fait deux rounds de Janna. Alors est-ce qu'on le fait maintenant? Parce que là il y a Sirefia et LOL. Et là je vais jouer contre Torg ou lui. Les deux ont pas de Janna. Tu vois? Je pense que c'est pas maintenant qu'il faut le cut. Hein. Tu t'en poses. Hein. Alors est-ce qu'on prépare un Fizz? Top pour moi ça devrait être deux infiltres, deux Vanguard, quatre mystiques après. Donc je vire Leona, Poppy, Nautilus, mort 2. Ça c'est Karma Lulu, Fizz Echo et Jace Wukong reste. Ah, j'ai pas fait gaffe positionnement. Ouais. En fait Thresh tu le ramènes, il va où que juste un random tank?
Et il me prend 8 ans à le tuer. Bon, après, quand ça passe, c'est cool. Mais... Bon, là, contre lui, le Sivanguard est toujours bien. Ça se voit. Putain, ça change tout le jeune. Hein. C'est incroyable. Hein. Quand t'es en face, quand tu le vois. Quand tu passes de 91% de réduction à 30%. C'est dingue. Du coup, je pense que je vais. Je sais pas si je vends l'Urgot. Soraka. T'es sûr du 4 mystique par contre? On peut pas faire un 2 mystique, 2 Vanguard, 2 Infinite. Du coup, tu joues en Darkstar en fait. Alors. Tu achètes Xerath. Hein. C'est... Tu penses? Il va avec qui? Il y aura pas de dégâts. Il y a pas de transition à faire en fait. C'est toi qui vois. Mais pour moi, il faut que tu rajoutes 2 Infiltres en fait. Déjà. Ça, c'est quasi sûr. Ça, c'est sûr, je veux plus les jouer parce que je vais arriver en finale contre des. Il y a trop de Janna en tous les cas. Donc... Ça, c'est plus possible. On va les virer à tout jamais. Au moins on se prend pas la tête. Ça il faut que ça passe 2. Parce que là théoriquement il y a que un joueur parmi. J'ai déjà joué contre Torque. Oh putain on a Nico. Mais là il faut que je roll. Mais je sais pas pourquoi exactement. Je sais pas si je dois jouer 4 mystiques en vrai. Ça donne envie. On a 2 Xerath. On a Janna. Ok Jean. Je pense on va jouer. Ouais. Du coup c'est qui le. Mais Soraka dégage du coup? Ou je joue en 2 Vanguard? Pour l'instant, c'est Soraka qui dégage, ouais. Astro Sniper, c'est non. Hein? Maintenant, là? Tu... Je pense que tu peux préparer l'Astro Sniper, vraiment. Waouh. J'étais pas prêt, là. Il faut cesser les choix. Hein. Par contre, dans Xerath, il sera rien. Là. Ouais, bah... Je peux pas changer ma compo. Ça me paraît chaud, là, ce que tu proposes. Hein. Oh, et on retombe contre Torque. Oh, c'est tellement unlucky. Mon fils est bloqué. T'as un cœur joué au cas où. Ouais mais je sais pas, je vais le mettre sur Fizz. Ah ok. Mais t'es sûr Astro Sniper, je suis pas sûr. Je vais avoir du mal à faire la transition. Je comprends l'idée mais j'ai pas le temps. Je pense que c'est pas mal de jouer Astro Sniper. J'ai pas le courage avec tous les changements. Tu vois genre... Non mais j'ai 2 Xerath et tout tu vois. Tu vois j'ai trop de... Là j'ai trop. Non j'ai trop. J'ai trop... Il faut que je vende trop les unités et tout. Non mais c'est vrai, c'est complexe, hein, c'est complexe. C'est complexe. Du coup, on fait pas ça. Je pense que d'un point de vue terrain, c'est compliqué. Par contre, je sais pas si je joue ça. Bah, si, tu dois jouer 4 mystiques. Hein. Mais du coup, je pense que tu... Est-ce que je le veux jouer quelqu'un qui est potentiellement... Allez, Notus ou Kong? Ouais, je pense que c'est Notus, pour qu'il casse vite. On a mis un gros Shroud quand même. Du coup, j'ai pas quoi faire. Ah, là, il va me mettre cher. Après, j'ai 4 mystiques maintenant, mais il va me mettre cher. J'ai pas de dégâts en fait. Ah, oh, mais c'est Rakan, Janna, c'est injouable. Regarde, mais attends, le nombre de bumps. Je peux pas jouer. Putain, mais. Injouable. Injouable. Le truc c'est que j'ai trop d'options, c'est le problème. On a Echo et Urgot, Echo et Fizz, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Les Infiltres à tort pour moi, c'est obligé. Donc tu ne gagneras pas contre H sans les Infiltres niveau 2. Donc ça et ça, ça dégage, c'est pour ça et ça. Ouais. Mais tu dois avoir plus, là tu te laisses mourir. Ouais, je sais. Bah, j'aimerais bien que Jayce passe 2. Bon, on va pas jouer Xerath. J'arrive pas à voir les trucs level 2, c'est le problème. Ouais, en plus, je regarde pas. Donc, positionnement. Shark! Le problème, c'est que ni Fizz veut passer 2, ni Echo, ni Lulu, ni Jayce. Pourquoi j'ai Jayce? Donc, c'est chaud, ouais. Du coup, là, on est en train de perdre des rounds. I know. Coup de main Nico, je sais pas encore pour qui. Hein, ouais. Pour être franc. Sur Echo Nico. Ouais. En gros, je les ai mis devant pour vite les dégager pour les deux. J'ai vu un Echo Zephyr, mais je pense que c'est un item. Je pense que c'est un Tif Glove, c'est Echo ou Fizz. Ah. Bah, je regarde juste. Et j'ai pas un item qui traîne. Non. Entends rien. Je pense que c'est TP. Peut-être que je split un peu ma compo aussi.
Tu vois, maintenant on a Xerath qui revient, mais je peux pas le jouer Xerath. Echo. Il y a déjà la 2 sur. Prends, je pense que tu les as. Ouais, je continue, mais. Je crois pas, non. Regarde pour moi. Oui, tu la poses en fait. À la place de qui? Tu vas dégager Cassio. On va passer en te mystique. Tu mets Blue Buff Chana, Moredo Echo. Choqué avec ça. Fais gaffe au positionnement. J'ai pas eu le temps. Okay. Je vais vous. Zizirot. Wukong, je pense. Ouais, y'a pas de GS, tu peux. Il m'a mis un double, je crois, quand même. Je veux quoi là? Je veux qu'il y ait un autre écho peut-être? Un aide. Ça passe beaucoup mieux. Oh ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est juste qu'il y avait rien qui passait depuis tout à l'heure. Hein. Genre, je pense que juste que d'un point de vue bench et compo, j'avais du mal, mais. Maintenant j'ai une Nico. Est-ce que je peux Nico une Lulu en vrai? C'est plus efficace, je pense. Je pense, oui. J'aimerais bien me positionner autrement, genre un peu plus classique, tu vois. Et... c'est quoi le draft là? Pardon. Triple Zephyr. Oh putain. Je pense que je dois sauver Echo. Tu dois sauver Echo et Thresh. Ouais. Echo va aller à la place. Tu vas peut-être poser Zephyr front, donc tu mets des baits. Bah. Si t'aurais perso que tu veux pas qu'il se fasse Zephyr. Mais il se fait pas Zephyr, non? Ok. Ah bah il a changé. En fait il aurait eu Zephyr, ma Soraka. Okay. Ouais, non, c'est bon, c'est large. Ah, c'est bien. On a quand même 1, 2, 3, 4 légendaires niveau 2. Ah, nevermind. C'est bien, oui, c'est pas ça. Darkstar, lul. Darkstar, oui. Bon, il est en CDS ou quoi? Oh, ça, je reconnais. Si Darkstar. Ouais. Darkstar.